la sous-gardis, Ray PHTK, il y a trois bagages fondamentalement qui caractérisent. D'abord, c'est la corruption, et partie corruption, ouais, ouais. Donc corruption à grande échelle. Corruption à grande échelle. Mis à part l'agent Petro-Caribéa, nèg yo entendu, yo gagoté, yo fouillé, zigno là-dedans jusqu'au cou. Yo fait tout ça, nous connaissons yo avec lui. Mais au niveau de chaque boîte en dans l'État, pendant toute la PHTK, c'est gabegie administrative, c'est scandale de corruption. Matin, midi, soir. Par contre, vous comprenez. Et si vous regardez ou bien vous lisez rapport à la Cour des comptes, même si vous êtes capable de dire que c'est politique qui a fait, kagen ça tout. Si vous regardez rapport à la commission sénatoriale, qui a fait un plan, etc., si vous regardez. Ou après nous à l'évidence, bon paquet de bar nèg yo vinn avec pour te faire nous boue, penser que y a pensé avec nous, yo voulait résoudre ensemble des problèmes pour nous. Mais c'est à pour prendre côté dans tête nèg yo t'a passé nous. Et nèg ça au fort, nèg peut acheter ça. N'a passé mon dans bêtise. Ti maman chérie, courir étudiant, ti maman doudou, quartier pas me poser. L'argent t'a gaspillé. Par contre, je comprends. Ou nous ouais l'argent plutôt caribé comme plus gros scandale et comme plus gros crime financier ou bien plus gros scandale corruption pendant dernière année ça yo, mais gien l'autre bagage yo fait tout avec l'argent sorti dans trésor public là directement avec l'argent taxe nous l'argent yo mobilisé à travers la douane DG etc. C'est bagaille joun ta ouais et comprendre en détail ça qui passé pour nous ta mettre de l'eau dans genou pendant toute la journée. Deuxième bagage qui caractérise Ray PHTK, c'est l'impunité. Valen nèg qui te servi PHTK, valen nèg qui te vin rejoindre PHTK, valen nèg qui te nan jeunesse PHTK, qui gen nou cité non paquet de bagaille. Pendant 10 ans, ça gen des nèg par exemple, te cité non l'envolé là, on tita après ou pas tandel, l'or étendel sous même Ray PHTK, li vin gon l'autre plus gros job. Au lieu de aller devant la justice pour la justice ta prononcer pour dire ah un tel innocent il pas rien pour avec ça reprocher là ou bien un tel coupable mais qui sort qui réservé pour lui conformément à telle loi ouais c'est promotion le prend non négacité dans drogue depuis ces bandits légal lié c'est tête calé demain matin on tendait le non plus gros job non le cité dans cas de Jacques vous comprenez jodi al té non job ou font ti pas tendre encore pendant temps après ça la république on ti jamblier li ou fait surface li vinn non pi gros job non le cité nan voler l'argent ou comprendre nan gagoter l'argent nan détournement l'argent ak bien public ou font ti temps pa tandel et puis après ça retourner nan pi gros job li gen pi gros responsabilité comme pour récompenser parce qu'il volait. C'était ça ou te caractériser Ray PHTK pendant ces 10 ans et plus l'impunité et ça que fait nèg yo entendre yo pour yo prendre la justice la passer l'en bas pied yo. Nèg yo entend yo pa aucun effort qui fait pour mettre la justice à camper parce que si la justice la faible la plus facile pour yo là ou fin faire briganda yo vin faire déblosa yo fin descendre pantalon en administration publique là pour yo circuler libre même faire plus bruit dans radio parce que tout le monde parce que yo pa gen capacité pour reler au côté pour yo reler yo pour venir répondre à ça reprocher yo l'impunité. Et troisième bagage qui caractérise ce régime PHTK c'est la gangstérisation du pays. La gangstérisation du pays. Parce que en pile nan yo te gen recours avec gang pour yo capable maintenir tête yo au pouvoir le plus longtemps que possible. En pile nan yo te obligé distribuer zam, voyer l'argent, financer un série de groupes armés en dans pays a dans cadre d'une série de batailles politiques soit pour pérenniser RPHTK ou bien pour battre avec l'autre groupe qui souhaitait échec yo ou bien tout pour te gérer l'élection parce que yo te dit yo même yo prend pouvoir pour 25 ans après yo c'est doué yo donc tous les moyens sont bons et c'est pas rapport expert ONU qui va dire le contraire. Nous songer ça comité d'experts écrit en 2023 là yo explique que Joseph Michel Martelly comme major Jean PHTK comme principale figure messieurs dames tête sans cheveux yo eh bien impliqué dans financer conseil de gang dans pays dans bail conseil de gang zam pour satisfaire désir et caprice politique li
Yo parlé de Tibois, yo parlé de Grand Ravine, yo parlé de base 257. C'est l'ONU qui dit lui. Il dit la international la connaît. Probablement yo connaît de qui ça parle. Je suis bien content avec Média Libre qui fait travail de mémoire, ça qui attire l'attention sur ça hier. Salut toute équipe là. Par contre, vous comprenez. Donc, debout dit PHTK pendant ces 10 dernières années ou bien ces 13 dernières années pour être plus précis, où est corruption, où est impunité, où est gangsterisation qui vient de nous, insécurité généralisée là. Par contre, vous comprenez. Maintenant, Matéli. Qui arrive là? C'est vrai, il arrive là à la faveur d'une circonstance. C'est vrai, il arrive là parce que l'international a gagné Algérie, il a orienté et puis permettre que monsieur là mette cop de ou bien moun mette cop de elle. Et puis, la terre là. Mais, il y a un autre niveau de Kawel tout. Il y a un qui est capable de dire, c'est échec classe politique là. Qui accouchait au nègre de Michel Joseph Matéli Bano. Et de fait, après, il capitalisait sur ça. Même le tap prend la parole pendant toute période de campagne. Il capitalisait sur ça pour la dire ah, mon diplôme ça au crasé pays, mon ceci, il y a même la politique traditionnelle. Oui, bon, tout ça, et de fait, des jeunes tankoum qui n'ont pas aucune culture politique, pas de maturité dans l'époque là, guerrier du seul, te prend la dedans. Et il y a des grands monde qui te prend la dedans, il y a pas de exemple papa. Oui. Qui prend un bluff là. Et sans compter tout, Johnny, dans l'époque, ça, tu as des séries de paysans qui étaient dans la tête de mon yo, qui ont reçu un message. Yo dit, président Terele, quand tu as dit, ma télé se parle avec ma marketing. De marketing, ça que tu as fait. Marketing, mon cher. Donc, c'est une communication que tu as faite pour que tu aies bien fait. Ça, c'est un petit gros bluff politique, oui. Effectivement. Mensonge sur toute la ligne. Ou qu'on ait une belle bagaille là, une belle fleur sans odeur. Ou bien tout, pour bref, ou est tête la fête, ton genre, il a fourré, et puis on bon, et puis vous matière là, à toute cette là. Mais comme ça, ou bien tout, ou pas être devant Kalala, ou être devant Belle Galerie, à Belle rentrer la donne, rien. Mais c'est ça, qui était PHTK. Et malheureusement, pendant qu'on a parlé de échec classe politique là, qui t'a doué honte, qui a couché Michel Matéli, ou bien qui a couché un outsider dans Michel Matéli, ou jouer des monde. En dans classe politique qui a aidé monsieur dame PHTK yo fait de pays à ça ou yo fait de li là par contre vous comprenez gagne des politiciens qui faut filer ko yo ça k'ap chercher manger yo ça gangou yo k'ap fait gros gorge et puis qui faut filer à jeune Michel Matéli gagne même qui étant à ses amis yo Matéli depuis 10 ans depuis 15 ans depuis 20 ans yo connait Matéli longtemps c'est ton beau personnage et puis yo faut filer ko yo. Et bien, il y a Matéli pour homme. Et voilà qu'est-ce qu'on a fait du pays, je dis. Un enfer, un espace invivable, côté situation intenable. Je ne sais pas. C'est de ça qu'on a parlé. Et le plus triste dans tout ça, Média Libre a appelé ça tout, c'est que ou gagné au Matéli, qui a quand même tiré ficelle dans l'ombre. Maintenant, à quelle fin? Quelques mois ou bien quelques années de cela, si l'élection fait dans le pays, Matéli était le président encore. Par contre, si la réalité a toujours même, pendant qu'on a parlé. Malgré Matéli, il fait 5 ans, ça, il passe le journal, ça finit, j'en finis, un guerrier du seul. Mais Matéli était, désolé de le dire, on est très puissant sur le plan politique dans le pays. La petite ficelle. Est-ce que la petite ficelle, parce que lui voulait retourner sous scène pour corriger ensemble des choses qui étaient faites, on ne sait pas. Est-ce que la petite ficelle dans l'ombre, pour le capable de contrôler une série d'espace et même retourner pour échapper à la justice par rapport à ensemble de bagailles reprochées, on ne sait pas. Mais jusqu'à très récemment, là, Matéli était un nègre plus puissant sur le plan politique. Raison, c'est parce que une série de nègres politiques qui pourront résoudre pour l'autre, vous comprenez, à rejoindre Matéli dans quatre projets là. Qui s'est fini avec Tissan Gonner. Par contre, vous comprenez, il y a m'a fini matin pour me dire nous on graine bagaille madame monsieur. Je dis à li clair. Si pas gon travail qui fait à la base et si nèg ak femme qui dit a fait politique yo pas rivé prend conscience et au moins pour une fois prioriser intérêt national yo
au détriment de propre intérêt du clan ou bien intérêt personnel yo, li possible pour nous gagner un autre outsider qui gagne droit mater ou bien n'importe l'autre monde encore malheureusement pour le pays. Si pas un travail de base qui fait guerrier du seul, il est très possible pour gagner un monde qui vient là dans l'élection avec même discours pour dire la République ça ou envie tendre qui dit moun yo ça pour dire moun yo ça ou envie tendre et puis pour moun yo même prendre euphorie pour yo porter bourré et puis pour al ban nous peut-être une autre version PHTK ou bien on PHTK sur une autre forme guerrier du seul et c'est pral bien malheureux pour le pays. Et l'on regarde le comportement nèg ça aujourd'hui à la qui dit a préparé l'élection qui a fait tout ça au capable à travers conjoncture ça dans quatre batailles qui a mené pour contrôler pouvoir rien que pour déboucher sur cinq prochaines années qui viennent là guerrier de seul mon cher pour nous compte que délivre ça ne doit pas pour demain. Il y a de quoi s'inquiéter guerrier. Parce que nos politiciens haïtiens, ils ont une grande bagarre qui est intéressée. Si on a pouvoir, comment ils arrêter davantage? Si on pas un pouvoir, qui ça ou utiliser, quel que soit le ou la façon pour arriver dans le pouvoir. Et arriver dans le pouvoir pas pour servir. Arriver dans le pouvoir pour aller voler, pour aller gagoter plein de poches. Et on va changer la vie, faire mobilité, acheter plusieurs cailles, plusieurs petites femmes, voir madame mieux, petit à l'étranger, etc. Vous avez fait peuple là. Donc, nous avons toujours en panne de projet, nous avons toujours en panne de vision. Et moi, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Pays pas développé sous base slogan. Pays pas développé sous base yo pa kabarine, victoire c'est pour peuple là, maman Marie Magay, c'est là. Moi, je vais pas l'histoire en série de pays qui depuis mal passé nous givin et non niveau important aujourd'hui à l'échelle mondiale. Je vais pas dans slogan, non? Il y a des batailles réelles qui te faites pour te changer de paradigme, changer d'ognon. Et puis pour bailler pays ont l'autre orientation. Ouais, si c'est pas direction ça ne prend, guerrier. Même si pas d'agir Michel Joseph Martelly, mais quand on l'autre monde qui prend même direction à Michel Joseph Martelly. Et encore une fois, c'est pas bien malheureux pour le pays parce que vraie femme de taille, vrai homme de taille, nous pas gagner de nos jours. C'est eux même qui pensent à la prochaine génération. Mais malheureusement, nous gagnons des politiciens qui ont même à réfléchir là comment ils prennent pouvoir, qui gens ils prennent pouvoir. Et puis aucun bel tout. Comment ils prennent pouvoir. Et là, il est très 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 fatal pour le pays. Vous comprenez ça? Parce que les gens ne peuvent pas la vie changer, vrai guerrier. Les gens ne peuvent pas la vie dans le ghetto changer. Les gens ne peuvent pas aimer les problèmes de misère qui résout, les problèmes de chômage qui résout. Parce que c'est sous l'île pour construire des discours. Par contre, vous comprenez? Si les gens qui sont dans le quartier populaire, qui ont une capacité à l'école, qui aller dans l'école professionnelle, qui apprennent nos métiers, qui travaillent, il faut qu'on nous soit fréquent pour venir dire qu'il boule caoutchouc pour vous. Il faut qu'on nous soit fréquent pour venir dire qu'il y a des amours pour mener une bataille pour faire l'élection pour vous. Pas un souverain. Donc, il y a un intérêt pour qu'il y ait un groupe ça dans la cité qui est là. Même j'allais au parc dans le quartier, dans la ville, si tout le monde a travaillé, tout le monde a fonctionné plus ou moins bien, ou bien il y a des gens qui ont la majorité, qui ont le pouvoir d'achat pour qu'ils baillent, il y a plus de possibilités pour réfléchir. Si plus on a l'école, guerrier. Il y a plus de possibilités pour prendre recul avec discours candidat. Mais depuis que nous sommes guerriers, nous sommes grands goûts, nous sommes des problèmes guerriers. N'importe qui vient là avant ce discours sans fondement qui croit. Donc, tu as manipulé. Et puis, j'entends des manipulations. Et puis, pour gérer un problème urgent, nous avons hypothéqué l'avenir au pays. Maintenant, la grande question à se poser, comment tu as fait pour éviter le pays dans le prochain règne PHTK dans l'autre niveau? Travail à papel. Et si nous avons des gens qui ont dessiné là, je ne sais pas si nous avons une question ça avec facilité. Je ne sais pas là encore. Si elle se dit pas là encore, c'est mort. Alors, on est qui rappelle que. Et puis, il y a tout le monde. Et je dis à la souga de Ray PHTK, il y a trois choses fondamentalement qui caractérisent. D'abord, c'est la corruption et partie corruption ouais. Donc corruption à grande échelle, corruption à grande échelle, mis à part l'agent Petro-Caribéa nèg yo entendu yo gagoté yo fouillé zignyo là dans jusqu'au cou, yo fait tout ça nkonnen yo avec lui. Mais au niveau de chaque boîte en dans l'état pendant toute RPHTK, c'est gabegie administratif, c'est scandale de corruption
matin, midi, soir. Par contre, vous comprenez. Et si vous regardez ou bien vous lisez rapport à la Cour des comptes, même si on est capable de dire que c'est politique qui a fait, cagez ça tout. Si vous regardez rapport commission sénatoriale qui a été plan Yuri, etc., si vous regardez, ou après nous à l'évidence, vous paquet de bâle qui vient avec vous pour faire nous bouer, penser que vous pensez avec nous, vous voulez résoudre ensemble de problèmes pour nous. Mais c'est à pour prendre nos côtés dans l'internet qui a passé. Et vous avez au fort, vous avez acheté ça. Vous avez passé mon bêtise. Ti maman chérie, couré étudiant, ti maman doudou, katye pa m'pose. L'argent, t'as gaspillé. Par contre, tu comprends. Ou nous, ouais, l'argent, plutôt Caraïbes, comme plus gros scandale, et comme plus gros crime financier, ou bien plus gros scandale corruption pendant dernière année, ça. Mais, gen l'autre bain, yo fait tout avec l'argent qui sorti dans le trésor public là, directement, avec l'argent taxe nous, l'argent. Yo mobilisé à travers la douane DGI, etc. Ces bagailles, je ne t'ai ouais et comprendre en détail ce qui passe pour nous mettre de l'eau dans le genou pendant toute nuit, toute la journée. Ah, on se comprend. Deuxième bagaille qui caractérise Ray PHTK, c'est l'impunité. Valen nèg qui te servi PHTK, Valen nèg qui te vine rejoindre PHTK, Valen nèg qui te nan. Jeunesse BHTK, qui a été cité dans un paquet de bagailles. Pendant 10 ans, il y a des gens qui ont été cités dans un volet là. On s'y a appris au patron d'elle. L'or est en train de se mettre sur le même BHTK, il y a un autre gros job. Au lieu de aller devant la justice a prononcé pour dire ah, un tel innocent, il n'y a pas rien pour lui avec ça et reproché là. Ou bien un tel coupable, mais qui sort, qui réserve pour lui conformément à telle loi, ou est ses promotions le prend. Non négacité dans drogue débit c'est bandi légal lié c'est tête calé demain matin on tendait le non plus gros job non le cité dans cas de Jacques vous comprenez jodi al té non job ou font petit pas tendre l'encore pendant temps après ça la république on ti jamb lié li refait surface li vinn non plus gros job non le cité dans voler l'argent vous comprenez gagoter l'argent dans détournement l'argent ak bien public ou font petit temps pas tendre et puis après ça retourner dans plus gros job. Il y a une responsabilité comme pour récompenser parce qu'il volait. C'était ça qui caractérisait PHTK pendant ces 10 ans et plus. L'impunité. Et ça qui fait que vous entendez pour prendre la justice là, passer l'en bas à pied. Vous entendez pas aucun effort qui fait pour mettre la justice là campé. Parce que si la justice là faible, la plus facile pour vous, vous finissez faire brigandage, vous finissez faire déblosage. Vous finissez descendre pantalon dans l'administration publique là, pour vous circuler libre, même faire plus bruit dans la radio, passer tout le monde. Parce que vous n'avez pas de capacité pour aller au côté, pour aller au pour venir répondre à ça, vous reprochez. L'impunité. Et troisième bagage qui caractérise ce régime PHTK, c'est la gangstérisation du pays. La gangstérisation du pays. Parce que en pile, vous avez recours avec gang pour être capable de maintenir au pouvoir le plus longtemps que possible. En pile, vous avez. T'es obligé de distribuer les armes, voyer l'argent, financer une série de groupes armés en d'un pays dans le cadre d'une série de batailles politiques, soit pour pérenniser le PHTK, ou bien pour battre avec l'autre groupe qui souhaite échec, ou bien tout pour te gérer l'élection, parce que vous te dit vous même vous prenez pouvoir pour 25 ans, après vous c'est doué. Donc tous les moyens sont bons. Ah. Et ce n'est pas. Rapport expert ONU qui va dire le contraire. Nous songeons ça, comité d'experts écrit en 2023 là. Il explique que Joseph Michel Martelly, comme major Jean PHTK, comme principale figure, monsieur dame tête sans cheveux, eh bien, impliqué dans financer conseil de gang dans le pays. Dans le conseil de gang pour satisfaire désir et caprice politique. Li. Vous parlez de Tibois, vous parlez de Grand Ravine, vous parlez de base 257. C'est l'ONU qui dit lui. Il dit la internationale la connaît. Probablement, vous connaissez de qui ça parle. Je suis bien content avec Média Libre qui fait travail de mémoire, ça qui attire l'attention sur sa gare. Salut toute équipe là. Par contre, vous comprenez. Donc, dès que vous dites PHTK pendant ces 10 dernières années ou bien ces 13 dernières années, pour être plus précis, où est corruption, où est impunité, où est. Gangsterisation qui vient de nous, insécurité généralisée de là.
Par contre, vous comprenez. Maintenant, Matéli, qui arrive là? C'est vrai, il arrive là à la faveur d'une circonstance. C'est vrai, il arrive là parce que l'international a gagné Algérie, il a orienté et permettre que monsieur là mette le cop de ou bien moun mette le cop de elle. Et puis, la terre là. Mais, bon l'autre niveau de Kawel tout. Gemon qui capable d'où c'est échec classe politique là qui accouché au nec de Michel Joseph Matéli Banou et de fait ou après il capitaliser sur ça même le t'apprend la parole pendant toute période de